Bonjour, durant les premiers mois de sa vie, votre nourrisson aura besoin d'être changé plusieurs fois par jour, entre 7 et 8 fois en moyenne. Il est donc important d'être bien équipé pour le langer dans les meilleures conditions. Il vous faut tout d'abord un espace sûr pour le changer, avec des accessoires portant la mention conforme aux exigences de sécurité et correspondant aux normes en vigueur. Vous trouverez le matelas allongé en mousse recouvert d'une couche de plastique étanche à poser sur un espace table, comme une commode par exemple. Si vous avez la possibilité de le poser près d'un lavabo, cela sera plus pratique pour vous. La table allongée classique, qui repose sur 4 pieds et qui est parfois équipée d'une petite baignoire, de poches et de tablettes de rangement. La table allongée murale qui s'accroche au mur et qui est parfaite pour les petits espaces. Le plan de change est constitué par la surface avant qui s'abaisse, l'autre partie est fixée au mur et accueille des étagères pour ranger les accessoires. Attention, votre enfant ne doit jamais être laissé seul. Veillez toujours à garder une main sur lui lorsque vous devez vous retourner ou attraper quelque chose afin d'éviter qu'il ne tombe. Quel que soit le système, il doit comporter des rebords surélevés, éventuellement une sangle de sécurité et un matelas lavable. Et prévoyez une serviette éponge à installer directement sur le matelas. Votre bébé sera plus à l'aise et les petites fuites seront directement absorbées. La poubelle à couches est un moyen très utile et hygiénique de vous débarrasser des couches sales de votre bébé. Sinon, il existe des sacs à couches parfumés qui neutraliseront les odeurs. Ils sont aussi très pratiques lors des déplacements. Pensez à occuper bébé pendant que vous le changez, en lui installant à proximité son mobile ou en lui donnant quelques petits jouets. Enfin, facilitez-vous la vie en gardant toujours à portée de main les produits dont vous aurez besoin. À bientôt. Leclerc.